Alors, je vais vous présenter une BD qui s'appelle La Cité des Orphelins. Voilà, c'est l'adaptation d'un roman qui est sorti en anglais. Voilà le titre, chez Atlantique BD. Et alors, c'est l'histoire en fait de la population adolescente et adulte qui a été touchée par un virus mortel. Voilà, alors les plus de 13 ans sont morts, de 12 ans sont morts. Et alors, les enfants qui ont moins de cet âge-là sont restés à vivre. Et alors, du coup, le personnage principal qui s'appelle Lisa, qui vit avec son frère, qui doit le garder, a décidé de faire une ville. Et alors, pour survivre, et alors, du coup, ils essayent de lutter contre un gang. Et alors, il y a certaines scènes qui sont des scènes de tuerie. Pas de tuerie, ils ne meurent pas, mais des scènes où on utilise le pistolet, comme c'est des enfants libres. Alors du coup, ils l'utilisent, ça se voit sur la couverture. Et j'ai bien aimé ce livre parce qu'en fait, c'est une histoire fantastique. J'aime bien tout ce qui est fantastique. Et ça permet un peu de s'évader. Mais au fond, en fait, ça nous permet un peu de réfléchir parce qu'on se dit que sans nos parents, quand même, la vie ne serait pas facile. Et on aimerait pas être à leur place. Personnellement, moi, j'ai pas envie. Et voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est que ce livre, il est assez destiné à la jeunesse, un peu par sa couverture, mais il y a des scènes qui sont pas très très jeunesse.